Good morgen, allez, Daniel, tu te rejoindras le Nishmat. Amram Yona ben Chana Piki bat Esther Nissim ben Aroda, c'est le Fouat, Rout bat Kouloudin Traina. Rav Naftali ben Silka Leptor, Shah Israël, et aussi Zrout Chana, Martin Miriam, Leleda Kala, Bezot Hashem. Nous étudions aujourd'hui Masechet Eduyot Perekret Mishna Bet. Heid Rabbi Yehuda ben Bava ve Rabbi Yehuda Kohen. Al Ktana bat Israël, Shinisat la Kohen, Shahi Ochelet bat Rouma, Kevan Shinichnesa la Chuba, Afalpi, Shalor Nivala. Heid Rabbi Yossi Akohen ve Rabbi Zacharia ben Akatsav. אל תדוקת שיעור הנה באשקלון, וריחקוע בני משפחתה ועדיה, מעידין אותה שלא נסתרה ושלא נטמעה. אמרו להם חכמים, אם מאמינים אתם שיעור הנה, האמינו שלא נסתרה ושלא נטמעה. ואם אין אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמעה, אז אל תאמינו שיעור הנה. דו סוג'י דנסת משנה, סבט חסם, Ça nous rapporte en général à Masechet Ketuvot, Ketuvot. Et d'abord, première Mishnah, ça va vous rappeler une Mishnah qu'on a étudiée deux Mishnah en arrière, de Perek Zayin, Mishnah Tet. Regardez. Et Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Yehuda Cohen. Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Yehuda Cohen ont témoigné. Al Ktana bat Israël, Shiniset la Cohen. Sur une petite fille israélite, donc fille d'Israël, qui s'est mariée à un Cohen. Donc c'était une petite fille qui n'était pas encore bat mitzvah. Shehi ochelet bitrouma, qu'elle pourra consommer de la trouma, kevan shinichnesa la choupa, étant donné qu'elle est entrée sous la choupa, afalpi sheloniv ala, bien qu'elle n'a pas eu encore de rapport avec son mari, c'est-à-dire qu'elle ne se sont pas encore isolée. C'est-à-dire, on parle, c'est vraiment presque la même chose avec un tout petit ajout supplémentaire. Donc, en fait, je vais vous rappeler d'abord ce qu'on avait appris dans Perek Zayin Mishnah Tet, c'est le même principe, une petite fille. Le père a le droit de marier sa fille tant qu'elle n'est pas née à Ara. Si toutefois cette fille n'a pas de père, alors personne ne peut la marier, elle est obligée d'attendre de devenir une grande fille, une née à Ara. Cependant, Chachamim ont décrété qu'on pouvait marier Midera Banan, que sa mère et que ses frères seront en droit de décider de la marier. C'est pour le bien de la fille, c'est pas pour la force, au contraire, c'est pour éviter, comme on avait dit, qu'elle évite d'aller dans des orphelinats, pas tout le monde a la possibilité de gérer, ouais, vous imaginez bien qu'il va y avoir des concours de circonstances qui font que cette petite fille, elle va se retrouver toute seule dans la rue, elle va être livrée à n'importe qui. Dans ce cas-là, on pourrait la marier à quelqu'un qui serait intéressé à se marier avec une petite fille, qui va la faire grandir, c'était très fréquent à l'époque d'ailleurs. Nos ancêtres se sont mariés avec des petites filles, ouais, Yitzhak et Yaakov, ils se sont mariés, hein, avec Rivka, qui avait 2 ans, l'autre avec Rachel aussi, qui avait 8 ans, 9 ans, peu importe. En tout cas, donc, il pourra, Chachamim ont décrété qu'on peut se marier avec une petite fille. Seulement, on a un problème technique. Lorsqu'un Kohen se marie avec une Bat Israël, alors quand il se marie avec elle, une fois que c'est devenu sa femme qui vit avec elle, c'est devenu son bien qui vient à Khol, donc la femme prend un statut de Kohenet. Elle pourra elle aussi manger de la Trouma. Mais si toutefois il se fiance sans lui faire les Kiddushin par exemple, ben c'est pas encore sa femme, il peut pas donner à manger de la Trouma à sa femme. De ce fait, lorsque un Kohen va se marier avec ses Kiddushin, Midera Banan, que Chachamim ont instauré, que les frères et la mère sont en droit, ont le pouvoir de marier cette petite fille. Ben, cette petite fille ne va pas devenir une Kohenette pour autant du point de vue de la Torah. De ce fait, elle ne devrait pas manger de la Trouma. C'est assour. Hein, Israël n'a pas le droit de manger de la Trouma. C'est un Chiyuv Mita Bidei Shamayim, condamnation à mort par le tribunal céleste. De ce fait, en théorie, lorsque Chachamim ne pouvait pas permettre à cette petite fille Cohen de manger de la Trouma. Et bien malgré tout, on a déjà appris que Chachamim ont instauré que oui, étant donné que Trouma bismanazé midera banan. La Trouma à notre époque, depuis l'exil, la Trouma n'est plus que midera banan. En l'occurrence, Chachamim ont décrété l'interdit de manger la Trouma de Rabanan pour un Israël, et Chachamim ont levé l'interdit lorsqu'il y a eu ce fameux mariage. Ça, c'est exactement comme la Mishnah Perek Zayin Mishnah Tet. Il y a maintenant, dans cette Mishnah, un tout petit ajout. Si vous faites attention dans les mots, vous comparez. Vous allez voir qu'on parle, cette fois-ci, que Nichnesa la Chupa afalpi shelo nivala. Qu'elle est entrée sous la Chupa, c'est-à-dire sous le dénuptial, lorsque l'on fait les Sheva Brachot, même si elle ne s'est pas encore isolée avec son mari. On aurait pu croire que la permission n'était donnée que quand c'est devenu réellement sa femme. Midera Banan, cependant, mais au moins, lorsqu'ils vivent comme un mari et femme, eh ben non, la Mishnah a eu nos enfants. Depuis le moment où elle est entrée sous la Chupa, on a dansé au mariage. Et on a fait là-bas les Sheva Brachot sous le dénuptial, même s'ils ne se sont pas isolés, il n'y a plus encore de rapport, il n'y a pas commencé à vivre avec elle concrètement. Malgré tout, elle pourra manger de la Trouma. Entre parenthèses, je suppose que des fois, lorsqu'on se marie avec une petite fille, elle n'était concrètement pas apte à
vivre concrètement avec elle jusqu'à un certain âge, qui a au moins un minimum de rapport. Mais je ne suis pas capable de donner d'âge, mais j'imagine bien que celui qui va se marier avec une petite fille qui a 4 ans, hein, qui ne va pas entretenir des rapports normaux. Donc j'imagine que des fois ça peut être une durée qui peut durer assez longtemps. Je suppose, en tout cas, c'est mes suppositions, peut-être que je me trompe complètement, je sais pas. Si je connais quelqu'un qui se marie avec une fille, je lui demanderai comment ça se passe, d'accord? On continue maintenant, la suite de la Mishnah. Hey, Rabbi Yossi HaKohen et Rabbi Zecharia ben HaKetzav. Rabbi Yossi HaKohen et Rabbi Zecharia ben HaKetzav ont témoigné encore d'une autre histoire. Altinoket, sur une petite fille, cette fois-ci c'était une vraie femme qui était mariée par son père, c'était une petite fille mariée à un Kohen, ou bien préposée à un Kohen, chez Hurhana ben Ashkelon. Hurhana, ça veut dire chez Nitmashkena, comme le Barthénois nous le dit, c'est-à-dire qu'elle a été donnée en gage. À Ashkelon, on va expliquer de quoi on parle. Ouais, les parents avaient des dettes, ils ont dit, écoute, moi je te rapporte l'argent dans 3 jours, tu me crois pas, garde ma fille en gage. Il la prend, c'était une possibilité, je sais pas. En tout cas, ça s'est passé à Ashkelon, on va expliquer l'importance de dire que c'était Ashkelon. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont rendu ensuite cette fille, le père a ramené l'argent, et bien, Verichaku abnei mishparta. Ces membres de la famille l'ont éloigné, n'ont plus voulu la considérer comme une Kohenette ou comme une apte à se marier avec un Kohen. Ve'edea me'idin ota. Tandis qu'il y avait, elle avait là-bas des témoins. Barthénois va nous préciser que c'était des témoins qui sont inaptes à témoigner. C'était des esclaves, par exemple. Et ils ont témoigné sur elle que chez l'onistera ve chez l'onitmea, que pendant ces 3 jours, par exemple, qu'elle était prise en gage, en otage, en fait, elle était donnée même consciemment, mais ça revient en même. Alors, l'onistera, elle n'a jamais été isolée avec le goy. Et elle n'a pas été devenue impure. On explique un petit peu plus la situation, et après on avance, après on reviendra encore mieux dans les détails. On parle donc que les parents avaient des dettes, et ils ont laissé en gage pendant même une journée leur fille isolée chez des goyim. Donc en théorie, on a un problème. Lorsqu'on s'isole avec des goyim, essentiellement lorsqu'ils la prennent en gage ou en captivité, alors c'est des grands sujets dans tout vote qu'on développe, qu'on explique, qu'on craint qu'ils l'ont violé. Et s'ils l'ont violée, cette fille ne peut plus se marier avec un Kohen. Vous savez bien qu'une petite fille, même pas mariée, qui a eu, même une jeune fille, qui a eu un rapport, il faut le savoir, malheureusement, c'est des cas qui peuvent se présenter en France. Une fille qui a eu un rapport avec un Goy ne peut plus se marier avec un Kohen. Si elle se marie avec lui, elle a un statut de Zona. Et elle a un statut de Zona, donc c'est en France, ce sont des Kohanim halal. Ce sont des mauvais, des Kohanim qui ne sont plus aptes à être des Kohanim. C'est un grave problème, le Kohen ne peut pas se marier. J'ai personnellement connu dans ma jeunesse un cas comme ça, et les parents, ils n'en pouvaient plus de ce fils amoureux de cette fille qui avait eu une adolescence pas tellement propre. C'est des cas qu'il faut faire très attention. En tout cas, on vient à notre sujet. En tout cas, lorsque la petite fille a été prise en captivité chez des goyim, même si là il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que ça n'a pas été une captivité forcée, c'est que consciemment ils l'ont donnée. En théorie, le goy va se conduire avec dignité, il va la respecter, puisque, eh ben non, malgré tout, en théorie, il pourrait y avoir un problème qu'on va ensuite définir qu'il y a concrètement, ici, pas de problème, mais ailleurs, un problème, d'accord? C'est-à-dire, donc, on revient maintenant dans le vif du sujet. Ils ont donné la fille en gage, et le temps qu'ils ramènent l'argent, ensuite ils ont rendu la fille, et eh ben du coup, plus personne n'a voulu se marier avec plusieurs Kohanim là-bas, les gens n'ont plus voulu se marier avec, les Kohanim n'ont plus voulu se marier avec cette petite fille. Pourquoi? De peur qu'elle ait été abusé par le goy et donc devenu inapte à la kehuna. Et cette histoire s'est passée à Ashkelon. C'est important de le préciser. On va expliquer après pourquoi. Ensuite, maintenant, il y avait malgré tout des témoins inaptes à témoigner, des esclaves. Si on suit Rebecca Weiger, on parle en fait que c'était les propres esclaves de la famille. Il y a des raisons pourquoi. Je vous dis juste la scène exacte. Donc il y a eu les esclaves de la famille qui étaient là et qui ont dit que nous, on a guetté la petite fille. Et on est sûr que pendant les 24 heures ou les 3 jours que ça s'est passé, pas une seule fois il y a eu le goy qui s'est isolé. Ils lui ont amené à manger, ils lui ont amené des jeux, et elle est restée propre, glad cacher. Alors, malgré tout, la famille, elle s'est écartée de cette fille. Alors, Amrou Lahem Chachamim, les sages leur ont dit, à cette famille, ont dit, il n'y a aucune raison de l'interdire, cette fille, parce que, Ima Minim Atem Shihurana, qui c'est qui vous raconte que, concrètement, aujourd'hui, qui vous raconte que cette fille a été prise en gage? Vous, les membres de la famille, pas les parents, bien sûr. Les membres de la famille. Parce que vous savez qu'il y a des témoins qui vous racontent. Alors, si vous croyez les témoins qu'elle a été prise en gage, eh bien, continuez à croire les témoins qu'elle n'a pas été abusée. Et si vous refusez de croire qu'elle n'a pas été abusée, alors dans ce cas-là, vous n'avez même pas de témoignage qu'elle a été prise en captivité. Regardez, on fait ça dans les mots tout de suite. Amrou lahem chachamim. Chachamim l'auront retorqué. Imma minimatem shehurana. Si vous croyez ces témoins qu'elle a été prise en gage,
Alors, ha'aminu, shelo nistera, ve shelo nitmea. Vous devez aussi croire ces mêmes témoins qu'elle n'a pas, qui affirment qu'elle n'a pas été nistera, qu'elle n'a pas été cachée, donc prise, isolée, ve lo nitmea, qu'elle n'a pas été rendue impure, elle n'a pas été souillée. Ve'im en ha'aminim, shelo nistera, ve shelo nitmea. Et si vous vous entêtez à dire que non, peut-être que les témoins, ces témoins-là, ces esclaves, mentent, et vous supposez qu'en réalité, non, elle a été abusée, mais dans ce cas-là, d'où vous savez qu'elle était prise en captivité, si ce n'est pas les témoins qui vous le racontent. Ah, vous décidez de ne pas les croire? Alors ne le croyez pas du tout. Dans ce cas-là, il n'y a jamais eu, il n'y a eu aucune histoire. Vous avez compris? Donc en fait, on reprend un petit peu mieux la scène, on explique rapidement, ça va aller vite. Il y a donc cette petite fille qui a été prise en captivité par, ou qui a été donnée consciemment à des goïms. Maintenant, de cette histoire, il y avait, presque personne ne le savait. Le père l'a transmise en cachette à son créancier goï. Et la transmise en cachette, il y avait bien sûr les esclaves de la famille qui connaissent l'histoire. Après 24 heures, 48 heures, le père il a amené l'argent qu'il devait au goy, le goy lui a rendu sa fille, tout s'est très bien passé. Cette fille, elle arrivait à l'âge des Shidouchim, et puis d'un coup il y a une rumeur qui court. On éclaircit un petit peu l'histoire, il y a les esclaves de la famille qui disent oui, effectivement elle était prise en captivité. Mais en fait sachez que durant toute cette captivité, nous on avait un œil sur la fenêtre là-bas, glad cachère, elle a joué au Lego toute la journée. Et la nuit, elle dormait, il n'y avait aucun problème, on a tout surveillé, c'est parfait. Les gens ont commencé à s'écarter de cette fille, ils n'ont plus voulu la prendre en chidour pour leur fils Cohen. Alors là, Chachamim l'ont dit, écoutez, ça ne marche pas comme ça. Puisque vous, c'est une grande règle dans la Torah, dans plein de d'endroits où on rencontre cette histoire, à péché à Sar ou à péché à Itir, la bouche qui interdit et la bouche qui va permettre. C'est-à-dire, si tu sais que cette fille a été isolée, alors là, tu vas plus croire les témoins. Mais étant donné que ces témoins, ils sont psoulim là et doutes, comme ce que je vous expliquais, parce qu'en fait, c'est des proches de la famille. Sinon, les témoins, ils sont aptes. C'est toute une histoire dans la Kéviga, on va pas rallonger. En tout cas, les témoins, ils sont psoulim. Les témoins ne peuvent pas, les esclaves ne peuvent pas témoigner sur la fille qu'elle n'a pas été souillée, en théorie. Mais cette fois-ci, vous ne savez même pas qu'elle n'a pas été souillée. C'est eux qui vous la prennent. Alors si c'est eux qui la prennent, t'es obligé de les croire sur toute la ligne, et en croyant aussi qu'elle n'a pas été rendue impure. Précision maintenant, super importante, justement, je l'ai dit, et c'est pour ça que je reviens dessus. C'est précisé dans la Mishnah que ça s'est passé à Ashkelon. Ashkelon, même si aujourd'hui c'est une ville israélienne, à l'époque de la Torah, Shimshon, il venait d'Ashkelon. Ashkelon, c'était sous domination de Pelishtim. Haza, les Palestiniens, Pelishtim, les Philistins, peut-être c'est les mêmes, je ne sais pas. Je crois que c'est Rav Neugirchal qui fait des rapports un petit peu comme ça. En tout cas, concrètement, Plishtim, c'était des Plishtim, c'était sous domination Goy. Dès qu'on sait qu'on a une fille, si on est sous domination Goy, dès qu'une fille, elle a été prise en captivité, même pour une histoire d'argent, pas pour abus. On va faire un petit peu d'ordre, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, j'explique. D'abord, une fille qui a été prise en captivité de force chez un Goy, pour aucune raison, on soupçonne le goy d'avoir abusé d'elle, elle est devenue inapte à se marier à la Kehuna, sauf s'il y a des témoins qui vont venir témoigner, entre parenthèses, même des témoins qui ne sont pas cachés pour plein d'autres. Alachot, la Chachamim Bishvouya et Kelou, pour les captives, Chachamim ont plus toléré, étant donné qu'il y a une respect de cachoute, ils ont peur et tout ça. On referme la parenthèse de ça, donc ça c'est la première chose à savoir, quand elle a été prise en captivité. Cependant, lorsqu'elle a été prise en captivité pour des raisons d'argent, parce qu'il me devait de l'argent, c'est parce que je devais. Quelqu'un, il devait de l'argent à un goy. Le goy est venu et a arraché en gage. Il a pris une fille de sa famille. Sur ça, la halakha va différencier. Il n'y a aucune différence. Il a donné de gré ou de force. La halakha différencie. Si on est sous domination juive, le pouvoir qui dirige le pays, c'est domination juive, alors on ne va pas soupçonner le goy d'abuser de la fille. Donc la fille restera pure, étant donné que c'était sur Iske Mamon, sur l'histoire d'argent. Donc le goy ne va pas la souiller. Mais si on est sous domination goy, alors on soupçonne le goy d'avoir abusé de la fille. Et c'est pour ça que c'est précisé que ça s'est passé B'Ashkelon. Parce que si ce n'était pas le fait que les témoins nous affirment qu'elle n'a pas été souillée, alors le fait d'avoir des témoins qu'elle a, oui, été souillée, fait qu'on ne pourra plus permettre cette fille-là, même si c'était pour une histoire d'argent. Parce qu'on est sous domination goy. Tout ça c'est précisé dans le Vartanoura, si vous déchiffrez les lettres, vous verrez que c'est écrit même entre les lignes à moitié. D'accord? Donc on reprend. Si ça a été une captivité stam, c'est pour abuser, la fille est devenue impure. Si c'était pour une histoire d'argent, si on est sous domination goy, la fille est interdite. Si on est sous domination juive, la fille est permise. Là, dans notre histoire, on parle que c'était sous domination goy et que malgré tout, la fille est permise, étant donné que toute notre information qu'elle a été prise en captivité provient de ces témoins-là. Alors si tu décides de croire les témoins qu'elle a été prise en captivité,
tu dois aussi les croire jusqu'au bout et croire qu'elle n'a pas été abusée. Et si tu refuses de croire qu'elle n'a pas été abusée, alors dans ce cas-là, tu ne dois même plus croire qu'elle était abusée en captivité parce que tu le soupçonnes d'un démenteur. Et on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, un Chag Sameach. Je vous dis rendez-vous, Bezrat Hashem, dimanche de 4e jour de Soukhot. Bezrat Hashem, c'est ça, ouais. 3, exactement, 4e jour de Soukhot. Et Chag Sameach, Moadim Lesimcha à tous, Kol Tov Salam.